Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta de recibir a Leila Slimani. Bonjour, Leila, ¿cómo se va? Bonjour, ça va bien, merci. Bueno, es un placer y bueno, la pandemia y las comunicaciones tienen las desventajas de no vernos, pero a veces la ventaja, gracias a Zoom, de poder hacerlo desde Francia y Madrid. Y vamos a hablar de El País de los Otros, Le Pays des Autres, que Leila Slimani es la nueva novela que publica en Cabaret Voltaire. Ya sabéis, los lectores, que ella fue premio Goncourt con Canción Dulce. Esta novela, os la puedo recomendar de corazón, es una historia sobre una francesa que se casa con un marroquí en los años 50 y es la historia de la diferencia, de ser diferente, aunque formes parte del bando colonial, digamos, y del bando poderoso. Es una mujer que se instala en Meknès, si no me equivoco, y ella misma es una minoría, ella misma es diferente en el país de su marido y se tiene que adaptar a otras reglas. Leila, dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec ce roman? Ce roman, il est inspiré un peu de l'histoire de ma famille, de l'histoire de mes grands-parents. Ce que je voulais raconter, surtout, c'était d'abord une histoire d'amour. Qu'est-ce que c'est que construire une histoire d'amour avec quelqu'un qui est extrêmement différent de vous, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même façon de vivre? Et est-ce que l'amour peut résister aux différences culturelles, au racisme, à la sensation d'être étranger? Et c'est vrai que moi, le couple de mes grands-parents me fascinait. Je les trouvais incroyables. Ils étaient très différents l'un de l'autre. Ma grand-mère était très, très grande. Mon grand-père était très petit. Elle était blanche avec les yeux verts, il avait la peau très mate, elle parlait beaucoup, il parlait jamais. Et je me suis toujours demandé comment ces deux personnes avaient pu s'aimer autant et partager toute une vie ensemble. Et puis je voulais raconter aussi l'histoire du Maroc de cette époque, c'est-à-dire un pays qui va sortir de la colonisation, un pays où beaucoup de gens se sont battus pour la France, se sont allés en Europe faire la guerre, et puis sont rentrés chez eux et se sont retrouvés de nouveau confrontés au racisme, à la violence, à la dureté. Et je voulais raconter que le racisme que vivent finalement les Maghrébins n'a pas commencé quand ils ont immigré en Europe. Il existait bien avant, et montrer que les relations entre la France et le Maroc sont des relations passionnelles et complexes depuis très très longtemps, et que ça le sera sans doute encore pendant longtemps. Sí, esta mujer, tu abuela, se tiene que adaptar también a la violencia. El men sufre la violencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vous avez réussi a escribir sobre la violencia chez vous, même chez vous? D'abord, j'ai toujours pensé que la violence pour les femmes était quelque chose malheureusement de banal, quelque chose qu'on rencontre dans sa vie de femme, en particulier pour des femmes de la génération de ma grand-mère. Le monde était violent pour ma grand-mère parce que elle avait moins de droits que les hommes, parce que on était dur avec les femmes. Il fallait faire attention, ne pas tomber enceinte. Quand on se mariait, ben on se mariait, on devait supporter. Il n'y avait pas la possibilité du divorce. Il y avait la violence de la religion. Alors après, bien sûr, elle arrive dans un pays, le Maroc, qui est un pays très dur pour les femmes à cette époque. Un pays où les femmes, elles ont très peu de droits. Et son mari, Amine, au début, il se marie avec cette femme française et il n'a pas conscience que quand elle va arriver au Maroc, elle va vouloir vivre un peu comme elle vivait avant. Et donc, il n'arrête pas de lui dire, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il se rend compte que la liberté de sa femme le rend fou, qu'il ne la supporte pas. C'est insupportable pour lui de vivre avec une femme qui revendique de parler comme les autres, de sortir, de danser, de s'habiller comme elle veut. Et donc, il va exercer sur elle beaucoup de violence, comme il exerce de la violence sur sa sœur, comme il exerce de la violence sur ses enfants, parce que pour beaucoup d'hommes à cette époque-là, la seule manière dont on traite les femmes ou dont on traite les gens qui sont plus petits que vous ou qui ont moins de pouvoir, c'est la violence. La violence est le seul langage. Bueno, Leila, ya sabéis que en este programa utilizamos a los autores como prescriptores de libros. Ella ha elegido varios libros importantes para ella, para Leila, y el primero del que quiere hablar es Martín Edén,
la autobiografía de Jack London, Leila, pourquoi Martin Ah, je crois que Martin Eden, c'est un des livres qui m'a le plus fait pleurer et qui m'a le plus bouleversé, le plus touché pour plusieurs raisons. D'abord, l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune femme qui n'est pas du tout du même milieu que lui, une jeune femme bourgeoise, et il veut essayer d'appartenir à ce monde bourgeois pour lui plaire, pour qu'elle accepte de se marier avec lui. Et finalement, il va se rendre compte que ces gens sont très décevants et que toute l'énergie qu'il a mise pour essayer de leur ressembler, finalement, ne servait à rien. Et cet homme, il me fait beaucoup penser à mon père. Parce que mon père, il venait d'un milieu très modeste, très populaire, et il a tout fait pour devenir un bourgeois. Et finalement, je crois qu'à la fin de sa vie, il a détesté les bourgeois. Il pensait que c'était des gens, enfin, qu'il l'avait beaucoup trahi. Et il a beaucoup regretté de ne pas être resté plus proche de son milieu d'origine. Et puis, c'est un très grand livre sur l'écriture. Qu'est-ce que c'est que la passion de l'écriture? Ce qu'on est prêt à faire pour devenir écrivain. Et c'est l'histoire de ce Martin Eden qui va travailler, 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 travailler pour écrire. Et un jour, finalement, on le publie, il a du succès, tout le monde l'aime. Et ça le rend malheureux parce qu'il se dit, en fait, je suis le même qu'avant. Pourquoi est-ce qu'on m'aime plus maintenant? Alors, voilà, pour un écrivain comme moi qui a connu le succès, je me pose toujours la question, pourquoi on m'aime plus maintenant alors que j'écrivais déjà avant? Bueno, Leila elige también un clásico yo creo que de mi generación, pero seguramente de todas las generaciones que nos están escuchando, La insoportable levedad del ser, Milan Kundera, el checo Milan Kundera. ¿Por qué, Kundera? Mais c'est intéressant que vous disiez que c'est un livre culte de votre génération, parce que moi, je l'ai découvert par mes parents. C'était le livre culte de mes parents. Quand il est sorti, tout le monde le lisait, tout le monde adorait ce livre. Et moi, je l'ai volé dans la bibliothèque de mes parents et je l'ai lu. Et ça a été d'abord, j'avais 16 ou 17 ans, un choc érotique, parce que la façon de parler de sexualité dans ce livre était, voilà, très, très choquante pour une fille de mon âge. Et je trouve que c'est un livre d'une profondeur extraordinaire, que les personnages ne vous quittent jamais. Une fois que vous êtes rentré dans ce livre, vous repensez à eux pendant très, très longtemps. Ils existent vraiment, même physiquement. Et puis moi, j'ai une passion pour l'Europe centrale et c'est pour l'histoire de manière générale de la République tchèque, de la Hongrie. Moi, j'ai vécu en Hongrie, donc c'est un livre aussi très profond sur ces dictatures et sur la recherche de liberté, de petits espaces de liberté. Elige Leila también un libro de William Styron, Tendidos en la oscuridad, Un lit de ténèbres. Pourquoi? Alors, j'adore la littérature du sud des États-Unis et j'ai une passion pour William Styron, qui est un très grand écrivain américain, un écrivain du sud. Et ce livre, Un lit de ténèbres, vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est pas un livre très connu, mais c'est un livre d'une beauté stylistique incroyable. La langue est magnifique et c'est l'histoire d'un homme qui va perdre sa fille. Et en fait, tout le livre raconte la façon dont il va aller à l'enterrement de cette fille et les souvenirs qu'il a de l'enfance de sa fille pendant ce voyage. C'est aussi un grand livre sur l'alcoolisme parce que cet homme ne fait que boire pendant tout le livre. Et ce qui est très beau, c'est que les phrases elles-mêmes, on a l'impression qu'elles sont comme touchées par l'alcool. Tout est très lent, très comme ça, très brumeux. C'est vraiment un livre extrêmement poétique et très touchant. Muy bien, también Lo que el viento se llevó, hablando de Estados Unidos, de Margaret Mitchell. Evidentemente la película nació antes en este libro. Cuéntanos por qué Lo que el viento se llevó. Bon, autant on emporte le vent, pour moi, c'est un de mes livres cultes. Alors, je sais qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on n'a plus tellement le droit de dire qu'on aime autant on emporte le vent parce que c'est considéré comme un livre raciste, comme un livre, voilà, pas politiquement correct. Ce que je peux tout à fait comprendre, effectivement, c'est un livre qui donne une vision très caricaturale des Noirs, qui justifie aussi par certains aspects l'esclavage. Mais c'est quand même un très grand livre. C'est quand même un très grand roman, en particulier à cause du personnage de Scarlett O'Hara, qui est un vrai personnage féministe. C'est une femme très forte, une femme très insolente, qui résiste à tout et qui résiste au pouvoir des hommes. C'est un livre très très bien écrit, beaucoup plus complexe et profond qu'on ne veut bien le croire. Et moi, c'est un livre qui a changé ma vie, parce que c'est une
très grande saga romanesque. On est pris dedans, on peut plus s'arrêter de le lire. Donc voilà, je pense que bien sûr, il y a des critiques à faire sur ce livre, mais il faut continuer à le lire parce qu'il y a des choses très, très intéressantes dedans. Et ça a été une grande inspiration pour Le Pays des Autres, parce que le personnage de Scarlett O'Hara a inspiré un des personnages de mon livre, qui est le personnage de Selma. ¿Cree que hay una literatura racista? ¿Es qu'il y a une littérature raciste? Je ne sais pas si la littérature peut être raciste. Il y a des écrivains racistes. Il y a des écrivains qui avaient une vision du monde raciste. Faulkner était un homme qui était raciste. Faulkner, par exemple, lorsqu'il faisait des fêtes après les tournages de ses films et qu'il invitait les équipes de films, il n'invitait jamais les Noirs chez lui. Il refusait de recevoir des personnes noires. Il y a des gens qui ont vécu dans des époques racistes et donc ils étaient racistes. Les écrivains sont des êtres humains comme les autres, malheureusement. Après, je ne suis pas sûre qu'il faille juger d'une œuvre aujourd'hui avec notre regard. Quand on écrivait Voltaire, par exemple, c'est un homme qui écrit des choses atroces sur l'islam ou sur les juifs. Est-ce qu'il faut arrêter de lire Voltaire? Je ne crois pas. Céline était un antisémite notoire, est-ce qu'il faut arrêter de lire Céline? Je pense que pareil, dans la littérature espagnole, je suis sûre qu'on peut trouver des auteurs qui ont à un moment eu des propos qui n'étaient pas tout à fait bien et qui restent de très grands écrivains. Donc il faut faire une distinction pour moi et entre l'écrivain et l'œuvre et le moment où elle a été écrite. D'accord. Elige también Un buen hombre es difícil de encontrar, de Flannery O'Connor, un relato muy especial. Pourquoi? Alors ça, c'est un recueil de nouvelles, et moi j'adore les nouvelles et les histoires courtes. Et c'est vraiment. Alors là, vous plongez dans le sud des États-Unis, vous plongez dans l'Alabama, dans les années 30, 40, justement dans ce pays raciste, très religieux, très fermé. Et c'est absolument fascinant parce que le style de Flannery O'Connor est magnifique, parce qu'elle raconte des choses qu'on pourrait encore voir aujourd'hui. Je pense que si on regarde les États-Unis de Trump, avec ses évangélistes, avec tous ces gens illuminés, c'est un peu ce que raconte Flannery O'Connor à son époque. Et puis c'est très drôle, c'est très cruel, mais c'est très drôle. Il y a beaucoup d'ironie et on le lit avec énormément de plaisir. Muy bien, pues muchas gracias Leila por sus Muchas recomendaciones. gracias. Nos quedamos con todas ellas y sobre todo con El País de los Otros, tu nueva novela que recomiendo, como he dicho, de corazón. Gracias y hasta pronto. Gracias.